Hey! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me suis levée avec une envie de vlogger. Donc c'est parti. J'ai déjà le nez bouché pratiquement et... Oh, franchement, j'en peux plus de ces allergies, c'est une catastrophe. Quand il pleut, quand il neige, quand il fait beau, quand il... Tout le temps, toute l'année. Toute l'année, je suis allergique à quelque chose, mais je ne sais toujours pas à quoi. C'est ça qui est bien. Et ce qui est super, c'est que c'est tous les matins, tous les matins, tous les matins. Oh, après, ça me gonfle les yeux et tout. Enfin, bref, j'étais dans un mood assez cool ce matin, donc on va pas se laisser abattre par ce genre de futilité. Aujourd'hui, je suis dans deux moods différents parce que, comme je vous le disais, je me suis réveillée vraiment avec l'envie de vlogger et tout. Je me suis dit, ça va être cool. J'ai pas une journée de ouf, mais je me suis dit, pourquoi pas et tout. Et en fait, j'ai ouvert les volets. Parce que oui, c'est manuel ici. Et j'ai vu la neige. Il y a des choses que j'arrive pas trop à piger, tu vois. Là, la planète, je sais pas ce qu'elle nous fait, mais elle se dit... Allez, Allez, on va leur mettre un peu de neige le 7 avril, après une semaine de 25 degrés. Comme ça, on s'habitue pas trop vite. genre, moi, je suis pas contente, en fait, qu'il y ait de la neige. Mais quand je vous dis il y a de la neige, c'est pas, c'est un peu blanc par terre. C'est que, genre, c'est blanc. Il y a déjà ça sur les rebords. Et en plus, il neige. Genre là, il y a les flocons qui tombent, quoi. Donc bientôt Noël, on ressort le foie gras, le saumon, voilà quoi. J'ai tellement hâte d'être vendredi parce que vendredi, il y a le technicien d'Orange qui vient enfin nous raccorder la box, enfin nous raccorder la fibre et tout. Donc j'ai tellement hâte, mais tellement hâte. Depuis lundi aussi, j'ai repris le sport à fond. Donc là, je suis en pleine séance de bikini avec Sissi, donc Sissi Mua. C'est intense, mais j'y arrive, je tiens. Donc, écoutez, j'ai fait ça lundi parce que c'est un jour sur deux. J'ai fait ça lundi et hier, j'ai fait une séance de 10 minutes avec Chloé Ting et 15 minutes de 15 ou 20 minutes, je sais plus, d'exercice de boxe. Cardio et tout. Et ce soir à 18h30, ben du coup, il y a le deuxième live de Sissi Mua. Je crois que mon smoothie est prêt. C'est un très grand smoothie. Et plus grand que ma tête, le truc. J'ai rajouté un peu de sirop d'agave. Et c'est trop bon. Bon, désolée, je vous ai complètement oublié. Il est midi passé. Et je devais faire plein de trucs sur l'ordi et tout ce matin. Oh non, ça a explosé dans mon micro-ondes. Ouais, comme je disais, j'ai fait plein de choses ce matin sur l'ordi. Je me suis fait à manger. J'avais déjà fait la sauce et tout hier. Donc en fait, j'ai juste refait des pâtes. Je me suis fait une sauce à base de curry. Donc il y a du poulet, il y a plein de légumes. Hein, j'ai pas mis de brocoli d'ailleurs. Il y a du poulet, il y a des courgettes, il y a des oignons, des champignons, des poivrons avec du lait de coco. Et là, je me suis fait des pâtes, des nouilles de riz avec. Là, j'ai fini. Il est midi 23, ouais. Ça faisait déjà bien 2h30 que j'étais en train de faire mes trucs sur l'ordi et tout. Et là, je joue aux Sims. Ah, le truc, c'est qu'avec les Sims, une fois que je commence, j'arrive plus à m'arrêter. Mais genre, quand je dis j'arrive plus à m'arrêter, c'est incroyable. Et je vais vous montrer ma Sims, je la trouve trop belle. Regardez comme elle est jolie. Elle est trop belle. Avec son maquillage et tout. J'ai même pas faim parce que je suis à fond dans les Sims et du coup, vraiment, j'ai pas faim. Faut que je finisse encore son pyjama. J'arrive même pas à mettre ma jambe. Non, mon genou, il est pas d'accord. Punaise, mais j'avais des trucs trop beaux, j'ai plus rien. Je vais mettre cette petite combi là, à la touffe. Mettez-moi l'émoji goutte d'eau dans les commentaires si vous avez déjà tué votre Sims en le mettant dans la piscine et en enlevant l'échelle. Parce qu'on est sadique. Ah bah oui, si je clique pas sur valider, ça va pas marcher, Jade. J'ai oublié de préciser une petite chose. Les gars, si vous regardez mes vidéos, je pense que c'est parce que vous les aimez bien. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Bon, les gars, on se retrouve toujours à la même place. Il est 15h07, le technicien, il est déjà passé, ça a mis 10 minutes top chrono, c'était cool, c'était rapide. Et puis là, je suis en train de... je suis dans des calculs interminables parce que je suis en train de faire le...
le décompte des charges pour une de mes locataires. Et du coup, je suis. Je vais faire un tableau Excel, je vais m'en sortir mieux comme ça. Parce que là, sur mon petit carnet, ça va 2 minutes quoi. Il est quoi, 15h du coup? Dans 2 heures, ma vidéo elle sort, il faut encore que je fasse la miniature. Et ça me prend une plombe. Aïe aïe aïe! Non mais il faut que je fasse des prorata et tout. Marco, t'es où? L'ordi est éteint. Ce qui veut dire que je pense avoir fini ce que je dois faire. Que ça donne, vous le voyez en avant-première du coup. Ah bah non, parce qu'elle sera déjà sortie. Ah, mais qu'est-ce que je raconte, je sais pas comment je réfléchis, je sais pas comment ça se passe dans ma tête en ce moment, mais il y a des choses qui vont pas trop quoi. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu les illustrations que je fais en ce moment. Il y a des choses que j'ai recopiées de tableaux que j'ai vus sur internet et d'autres choses qui sont mes œuvres, entre guillemets. Il y a celui-là que j'adore. C'est, je pense, mon préféré. Je vais l'imprimer et je vais l'encadrer parce que je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là, je l'ai recopié de chez Desenio, je crois. Ça se dit comme ça, il me semble. Je l'aime beaucoup aussi. Celui-là, pareil, magnifique. Celui-là, je crois que c'est mon préféré avec l'autre que je vous ai montré avant. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, mais il est vraiment magnifique. Alors que c'est que des formes. Hein. Mais, et encore là, en vidéo, il rend pas vraiment justice. Hein, parce qu'il y a vraiment le détail du... Ah bah là, comme ça, ça se voit un peu mieux. Le détail du taupe, la beige, qui passe par-dessus et qui est en transparence. Mais on voit pas bien avec à la caméra. Mais franchement, je l'aime trop. Je crois que c'est mon préféré. Il y a celui-là aussi que j'aime beaucoup. Celui-là, j'aime beaucoup aussi sur des formes. Les tons, en fait, les tons. Là, vous le voyez rouge, je crois, à la caméra. Mais en fait, il est plus genre brun-rouge. Mais plus brun, quand même. Et c'est des tons que j'adore en ce moment. Ben, vous le voyez, il y a beaucoup de brun, de taupe, de blanc cassé. C'est vraiment joli. Et là, j'ai joué sur des effets avec des taches. Et il y a le même avec la lune. Oui, on va faire pipi. Allez, viens. Voilà, ces trucs sont horribles. On a mis ça parce que Potter, sinon il arrive pas à dormir. Genre, il dort pas le matin en fait. Il est toujours réveillé à 6h du matin, le pauvre, 7h du matin. Du coup, ben, on a mis ça en attendant et ensuite on va bien découper le rebord et on les collera dedans. Voilà, comme ça. Ben, pour l'instant, c'est scotch vert. C'est pas mal non plus. Et je vais vous montrer l'envers du décor parce qu'on a l'impression qu'il fait beau dehors, mais que nenni. Oh, bah il y a plus de neige. Il y a plus de neige. Bon, bah voilà. Il y a plus de neige. Ce matin, il y avait de la neige, je voulais vous montrer. Ah si, il en reste un peu là. Voilà, de la neige. Je suis dans ma salle de bain, si ça résonne un petit peu, c'est normal. J'ai fini
bikini avec Cécile jour 2. C'était chaud quand même, j'ai trop mal aux épaules, franchement c'est abusé. Mais je suis trop contente parce que j'ai réussi, j'ai juste pas réussi le challenge de planche pendant 2 minutes, mais j'ai fait 1 minute, voire 1 minute et demie même. Donc je suis quand même assez fière de moi. Là je vais vite prendre une petite douche, je vais pas me laver les cheveux parce qu'ils sont pas sales encore, je le ferai demain je pense. Là je vais prendre une petite douche en vitesse, comme ça je vais pouvoir aller faire à manger. Bon du coup là je suis en train de faire à manger. Il est 19h36. J'ai de la viande qui décongèle, de la viande hachée. J'ai sorti un poivron, une énorme courgette, deux petites carottes, un oignon et une gousse d'ail. Et des champignons aussi qui sont là, faut que je les rince. Mais du coup, je vais couper tout ça en petits cubes, en petits morceaux. Je vais refaire venir ça dans l'huile de coco, comme d'habitude. Et ensuite, je vais mettre la viande et je vais mettre du lait d'avoine. Non, c'est du lait d'amande que j'ai. Ouais. Du lait d'amande avec, je pense, un cube, un bouillon là. Un cube de bouillon, comme ça. Et je vais faire des pâtes complètes avec. Donc, je vais faire tout ça, puis je vous montre le résultat juste après.